Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4, cet épisode 94, chers amis. Donc, comme d'habitude, en début d'épisode, je vais vous parler du 100e épisode. Je vous invite à commenter à ce sujet de ce que vous voulez voir dans ce 100e épisode. Est-ce que vous avez des défis à me donner? Certains m'ont parlé déjà il y a quelques temps de ça. Par exemple, un défi où j'utiliserai que des armes de corps à corps ou que des armes de type, entre guillemets, comment que ça s'appelle, mince. Vous savez, les armes préconstruites, là, les armes, comment... Est-ce que j'en ai une sur moi? Normalement, j'en ai pas sur moi. Non, j'en ai pas. Vous savez, les armes de... D'après-guerre, entre guillemets, les armes construites après-guerre. Apparemment, il y a des gens. Oui, mais c'est pas des Antilles, normalement, ceux-là. Garage des Atom Cats. Oh. Duke. Salut. Enfin, être tranquille 2 minutes. Oh, ok, elle est belle ton armure. Bah voilà, voilà ce genre d'arme en fait. Vous voyez? Hop. Donc voilà, bah, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si vous voulez par exemple aussi que je joue à certains modes, enfin avec certains modes activés pour son 100e épisode, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires là aussi. Qu'est-ce que tu branles là-bas toi? Ah non, elle est vide. La vache, elle est vide? Et donc, ah oui, elle est complètement vide effectivement. Bonjour Rowdy. Rowdy. Tu veux te faire bricoler ton armure assistée? T'es au bon endroit. Tu sais, les cats ont les modules les plus cools de ce côté-ci de l'enfer. Ouh! Troqué? J'ai quelques minutes pour jeter un oeil. D'accord, vous avez une chie en fait de peinture personnalisée? Valeur? Pièce de la pompe des Warwick. Bon bah écoute, on va prendre ça. Ça me coûte 5000 pesos, la vache. Ça me fait mal au cul. Tiens, prends mes boules de gomme, mon buff out, mes chewing gum, mes 11 jets, mes 7 manta, mon Inca chéri. Ça, je vais le garder. Oh la vache. Viande en boîte. Viande de chien errant, viande de chat, désolé les chats. Ouais, ça fait mal. Ça fait royal mon mal. Alors ça, je vais pas le vendre. Mes modes, je pourrais les vendre. Remarque. Pas faire de mal, hein. Hop. Pistolet 10 mm. Bah tiens, je te le vends. Cryomine. Tiens, je peux te les vendre aussi, les mines. J'en ai rien à foutre. Hop. Même si des fois, ça m'aide. Je reconnais. Hop. Et hop, bon déjà ça réduit le coût un petit peu. Crac, de toute façon on est riche. Vous pouvez maintenant arborer la peinture des Atom Cats, d'accord, ok, cool. Bah écoute, génial. Alors par contre, si vous me foutez là, comment la putain de peinture posée quelque part, franchement ça va pas le faire. Manquerait plus que ça, vous savez. Tu crois quand même pas que je vais fouiller dans ce bordel? Non, non, je m'y attendais pas à vrai dire. Oh. Écoutons, c'est la troisième, mais écoutons. Je m'appelle Rowdy. Et c'est moi qui... Au passage, chers amis, j'ai remarqué que le son était peut-être un petit peu léger. Hop, on va mettre le son un peu plus fort. Écris ce poème. T'en tires très bien. Comment tu l'as appelé? Aude à mon marteau. Pied plat. Aude à mon marteau. T'es sur le territoire des Atom Cats ici. Tu es si lourd et si beau. Désolé, j'y arrive pas. Répondre de façon impolie. Oh, va chier dans ta caisse. Tu cherches les emmerdes, toi. Ah, j'ai compris. Tu veux devenir membre des Cats, c'est ça? Ouais. What? T'as pas l'air trop guignol. Pourtant, ça irait bien dans votre bande de bouffons. Ah, voilà. C'est marrant. Ok, ok. Je crois qu'on pourrait s'entendre. Bon, allez, on va voir de quoi t'es capable. Rowdy devrait avoir quelque chose sur lequel tu pourrais te faire les patoches. Elle vend aussi des modules et des châssis d'armure assistée. T'as qu'à en profiter pour t'équiper. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre... Hein? Ton manteau est cool. Je l'avoue. Bon, attends, tu permets, je visite, hein.
Y'a un mec dans l'armure ou pas? Oh! C'est gardé. On dirait plus une course en fait. Hop le! Hop le! Bref, on va pas siffler trop fort parce que sinon je vais vous péter les oreilles, chers amis. Oh! Plus de lumière! Hello! Bolide en furie, je suis sûr que c'était la même. Ouais. Hop! Tu sais pas lire. Fais pas chier. Oh! Terminal de Zeke. Écoutez, on va bien voir. Hop là! Ça y est. Brûlé, brûlé, brûlé. Oh, y a rien là-dedans, y a une capsule, le pauvre. Littéralement. Terminal de Zeke, mais ce sera pour ouvrir le truc, donc c'est pas la peine. Oh, je suis vexé, je suis sûr que j'ai payé 5000 à un machin qui m'aura coûté rien du tout. Enfin, j'ai pas payé 5000, tu me diras, mais... Ouais, bon, on va pas se plaindre, hop. Mais je suis persuadé que c'est la même. Je suis persuadé que c'est la même. Oh, il y a un truc là-bas. Alors. On est prêt à mourir pour son pays, saleté de communiste. Lieutenant, saleté de communiste ? Communiste ? Ouais, j'ai touché deux fois. Génial. Il est rapide ce mec. Par contre, niveau précision, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. J'essaie de lui péter le bras, mais... Ça y est. Ah merde, t'aurais pas dû attaquer. Il était complètement inoffensif. Bon, c'est pas grave. La 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 la. Rien. Oh. Y'a rien. Donc en fait son droit ne servait à rien. Ah attendez, attendez. Ah quoique. Deux steam packs. Des cartouches. Bon c'était pas si inutile. Donc apparemment il y a deux endroits par là que je n'ai pas vu. Effectivement. Et on peut continuer au sud encore. Un petit peu. Ok, bah on y va alors. Hop. Une fois qu'on aura visité toute cette zone, un petit peu, on remontera et on fera des quêtes. Et jusque là, on trouve pas des masses de quêtes. Hein. Enfin, comparé à un Skyrim où il y avait... Je sais pas combien de quêtes, là, il y en a que très très peu. Hein. Franchement, j'espère que les DLC rajouteront des quêtes secondaires. Hein. Mais en quantité. Et pas uniquement dans l'univers du DLC, je veux dire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Enfin, pourquoi je trouve que ça pue du cul cet endroit? Bah là c'est là qu'on était tout à l'heure avec le mec. Bah oui, voilà. Ça c'est bon. Qu'est-ce que... Carrément un bateau retourné là-bas. Donc là il y a le camp qu'on a pété. Je crois, oui. Oui, c'est ça. Et là, on a un bâtiment. Poséidon, énergie. Oula. Attendez, là, d'abord, on a un truc, là. Ça cause. Garde de caravane. What? Oh, attendez. La route est vraiment... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Putain, il y a des mecs, là-haut. Ils sont vraiment violents, pillards, oui, donc c'est des vies. Hop, et de 1. Une minute. Il est... Oh la vache, il est pas mort celui-là. C'est le légendaire, d'accord. Faut que je réduise les doses. Mais non, tu drogues plus normalement. Appelez. Quelqu'un nous suit. Bien essayé, connard.
Un chien d'attaque. Par les chiens! Oh là-bas, j'ai pu tirer qu'une seule fois. C'est moi qui récupère le matos! Oui, si tu veux. Arrête de jouer à cache-cache. Hop là. La touche! Ça touche! Ça touche! Ça touche! Ça tue! Hop là! Ah, raté. J'essaie de faire remonter ma petite barre, mais c'est pas simple. Oh la vache, j'avais un vieux sous-entendu, j'essaie de faire remonter ma petite barre. Hop là, on recharge! Hop là! Il est pas aussi efficace, il est plus aussi efficace qu'avant ce flingue, je trouve. Hein. À un moment, il va falloir qu'on l'améliore, je pense. Enfin, qu'on améliore notre compétence de. Quoique, il est déjà bien, monté normalement. T'as entendu? Faudra que je vois ça. Pourquoi il n'est plus aussi efficace qu'avant? Je dois être à cran. Parce que pourtant, il est passé en calibre 50, donc normalement, il devrait être efficace. Alors, les mecs de la caravane, vous êtes où? Ok, et la caravane, elle est dans quel état? Attends, garde de caravane, garde de caravane. Oh merde. Ou alors il rattrape. Il court pour rattraper le mec, ça se trouve. Peut-être pour ça. Bon, moi il y avait un truc que je voulais voir par là. Poséidon, énergie. Bah oui, je sais bien, mais. Oh, il y a un code à l'entrée. Ah, ça doit être ça. Hop. Matt Peabody. Zin ou Peabody? Peabody. Peabody House. D'accord. Toc toc. Oh. Bonjour. Hein? Ouais. Hein? Oui, je suis là, hein. Bonjour. Excusez-moi. N'approchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas très amical. Pas très amical comme comité d'accueil. C'est ce qui nous a permis de rester en vie aussi longtemps. Passez votre chemin. On n'a rien qui pourrait vous intéresser. Si vous vendez quelque chose, on n'en veut pas non plus. D'accord. Oui. Ah oui, ils en ont vraiment rien à foutre. Bah écoutez, je vous pique... Ah bah non. Permettez, je monte à votre étage. Oh. Juste pour voir. Eagle Scoot Ring, ouais d'accord. Bon, je peux vous laisser votre caca. Il ne m'intéresse pas. Mais c'est chiant que vous ayez votre propre zone et qu'il se passe rien, quoi. Une fois de plus. Est-ce qu'on va là-dedans? Non, j'ai pas de quête qui me force à y rentrer. Du coup, j'ai pas trop envie d'y aller. Puis surtout, vu comment ils sont goulés, entre guillemets, ceux-là, je pense qu'il faudrait que j'ai une armure assistée pour y aller, pour protéger des radiations. Ok, bon. Donc il y avait un chemin qui menait plus loin. Alors attendez. J'ai raté la moitié de la zone. Qu'est-ce que c'est? On nous suit ou quoi? Une tourelle. Oh, il y avait un avion ici. Oui, enfin. Pourquoi pas? Oh putain! Le trou, chers amis, c'était le coup du trou. Faites attention, vous aussi, votre première fois, ne pas tomber dedans et ne pas rester coincé. Ça fait extrêmement mal. Vous vous pétez deux jambes comme ça. Ah bah, c'est bien éclairé cet endroit, ouais. Ah oui, il y avait un endroit aussi, fallait que j'aille voir avec un. Avec un comment, un phare. Si je ne m'abuse. Faudra donc que je m'y rende. Ah oui, il y a le bateau, c'est vrai. Ok. Kate. D'accord, elle préfère prendre la route. Bah si tu veux, écoute. Oh. Oh là. Oh là, il y a de la saloperie dans le coin.
suis sûre d'avoir entendu quelque chose. Oh putain, Léa. T'as perdu. Hop. Dégage. Aïe. Un petit tête à tête avec mon couteau, ça te branche? Ton couteau? C'est pas ton couteau que je vois, mais écoute, pourquoi pas? Elle est morte? Oula, mais c'est passé quoi dans le coin? Ah, c'est peut-être eux qui vont attaquer les marchands. Prends tout ce qui pourrait servir. Compte sur moi. Échantillon de sang. Ah, ils ont tué des baleines. Ah, c'était pas des baleines. Salaud! De l'eau, non, c'est le feu d'artifice que je regardais, moi. Bon, il commence à faire sombre. Ok, je m'attendais pas à ça. Apparemment, il n'y a pas de pillard. Allons-y sans peur. Bonjour. Bon, j'ai rien dit. Sans peur, c'est pas comme ça qu'on va y aller. UFMS Northern Star. Oh la vache, le réacteur nucléaire. Qu'est-ce que... Ça devait être Kate qui est passée devant. Le tout maintenant, c'est de trouver l'entrée. C'est clairement bizarre comme zone, hein. Quelqu'un me suit. Ah la vache, ils font mal. Hein. Oh putain, ils sont nombreux aussi. Ah la vache, j'ai l'impression que c'est dédoublé. Vas-y, tape. Je vais te transformer en passoire. Allez, c'est déjà fini. Ah, c'est tous les petits machins à la con, là. Tous les petits étons, là. Ok. Ok, très bizarre. Très, très, très bizarre. Je m'attendais pas à ça, en fait. Quand j'ai vu les machins en bas, je me suis dit, bon, ça allait être ça. Mais apparemment, ce n'est pas le... Hop. Pragmatique. Non, c'est pas ça. Finalize. Brutality. Non, c'est pas ça. Bon, d'accord. Ok. On n'a pas de bol, on n'a pas de bol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Alors. Ici. Rien d'autre. Ici. Ici. On commence à en avoir enlevé un paquet par contre là. Hein. Ici. Et je crois que c'était le dernier. À vue de nez. Oui. On va essayer. Il en reste plus combien? 1. Alors celui-là, on sait que c'est pas le bon. 1, 2, 3. Bon bah écoutez. 1, 2, 3. Et c'est bon. Commande des projecteurs. Éteindre les projecteurs. Faisons leur peur un petit peu. Ok. Et éteindre les tourelles. Désactiver. Hop. Bah alors, on a peur? Un flingue chargé et des capsules plein les poches. Ça, c'est la grande vie. C'est marrant, il est pas indiqué comme une... J'ai rien dit.
Vous n'avez rien vu. Il ne s'est strictement rien passé. Rechargeons, profitons-en après tout. Hein. Mais vous n'avez strictement rien vu. Ça sert à rien. Bon, apparemment, il n'y a plus personne. Enfin, il y a du monde, mais... Voilà. C'est toujours ça de moi. Hop, allons-y. C'est chiant, on est en plein éclairage. Alors je crois que c'est par là. Non? Comment on fait pour passer? Une porte ici? Ah oui, il y a une porte. Ouf, il m'a pas vu. Pas vu non plus. Oh putain, les vieux bruits de mort qui fait le bateau. Ça doit être un... Qu'est-ce qu'il a dit? Yel? Ça va être une vraie partie de plaisir. Putain, il est endurci lui comme ils disent hein. Du calme. Échec. C'est des Russes? On commençait à peine à se marrer. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bordel? Okay. On se calme, tête de nœud. Aion, Aions. Tête Varfont. C'est des Allemands alors. Putain, ils font mal au fait, j'ai pas fait gaffe. De toute façon, maintenant qu'ils nous ont vus, on a plus besoin. Non, c'était pas une jambe. Je crois que c'était une jambe ou un truc comme ça. Putain, il m'a foutu les boules, lui. Meurs! Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi il parle en allemand, ce con? Par contre, j'aurais bien aimé... non, 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 je veux des grenades, moi, c'est tout. Hein. C'est... Non, c'est rien, t'inquiète. Hop là. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Ah oui, carrément. Attends. Putain, on n'y voit que Pouic, hein. Ok. Il faudrait vraiment qu'on puisse mettre des... Alors ça, je comprends pas qu'ils y aient pas pensé, qu'on puisse mettre des lampes torches sur les flingues. C'est pas compliqué, pourtant, hein. Hop. Donc le bateau est allemand, je pense, hein. Même une radio allemande. Non, je rigole. J'en sais rien. Hop. 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 Y'a personne. On peut y aller. Salut, Kate. Oh oh, un mini nuke. C'est le jackpot. Terminal déverrouillé expert. Donc qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est verrouillé, non? Non, même pas. Survivor's Ring, pourquoi pas?
Qu'est-ce que je suis supposé faire avec ce truc? Ah d'accord, donc là il y a un bouton. D'accord, qui fait baisser le bateau. Ok, pourquoi pas. Cependant là il y a un câble qui part. Bon, on va bien voir. Hein. Hop, déverrouiller expert. Prisonnier. Non. Harnaché. Non plus. Briefcase. Ah. Mais bon, c'est pas ça encore. Hein. Hop, et de 1. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Là, j'ai rien. Je vais pas dire ça parce que sinon, les gens vont croire que je vais dire algérien. Ce qui n'est pas le cas. Même si je n'ai rien contre eux, bien sûr. Hop, je vais finir par le dire. Tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, tu sais que c'est moi, puis à la fin c'est tu sais que c'est moi. Enfin bon. Crac. Crac. Et rien d'autre. Ok. Est-ce que ça pourrait être bathrooms? Non, c'est pas bathrooms. Est-ce que ça pourrait être gratitude? Ouais. Oui. Tourelle et projecteur. Bah écoute, on les a tous, ces trucs-là. Bah écoute, je m'attendais à un coffre. Oui. Il lui a répondu oui. Je m'attendais à un coffre et je suis déçu. Mais bon, écoute, c'est pas gravissime non plus. Hein. Hop, appelons le bateau. C'est bizarre ce truc. Ok! Il nous reste un bâtiment à découvrir qui est donc dans cette direction, c'est ça? Voilà. Eh ben écoutez, on y va. Et on n'y va pas en mode... Hop, voilà. On n'y va pas en mode discret, on y va en mode bourrin. Les portes sont ouvertes, ça c'est pas bon signe. C'est une tourelle? Non. Ferme des Warwick. Warwick? La fille là-bas... Attendez, on va faire un truc. Elle avait un truc des Warwick. Elle avait clairement un truc des Warwick et ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ça? Le fusil à clous. Ouais, il faudrait que je le trouve. Il doit être génial à modifier. Je sais pas s'il est dans sa version la plus performante là, mais... Elle avait un truc des Warwick. Yo les filles. Toi. J'ai vu que tu causais à Zeke. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas toi, mais je préfère garder mon flingue à portée de main. On sait jamais. Patoche. Histoire de patoche. J'ai pas compris. Bah, les patoches. Les mains, quoi. Tout sort. Patoche. Parce que je vois, je dirais que le boss pense que t'es de la trempe des quatre. Il veut que cette bonne vieille... C'est lui le boss. Oh l'horreur. Qu'est-ce qu'il faut pour te mettre à la colle avec nous? Facile. Ça devrait pas être dur. Ah, tu te doutes de rien, dis donc. Ça fait un bail que je dois aller chez les Warwick pour m'en occuper. Mais du coup, tu vas pouvoir le faire à ma place. Ah. Tiens, j'ai bricolé ce machin. C'est une pièce du système de pompage des Warwick. D'accord. Cette merde était engorgée comme Zeke quand il a trop bouffé. Je vais aller l'installer à la station de pompage. Oh putain, je l'aime pas le gamin. Ok, pas de problème. Aucun problème. Les Warwick sont peut-être un peu tartes, mais ils sont pas méchants. On les aide comme on peut et ils nous filent à bouffer. Ça marche plutôt bien. Ah, et oublie pas de prévenir June Warwick quand t'auras fini. C'est elle qui dirige un peu tout là-bas. Compte sur moi. Eh ben écoute, on se retépé dessus. Hop. Voilà une quête, chers amis. Enfin, une quête, je sais pas, hein, mais en tout cas, un début. Parce que je crois pas que ça a démarré de quête avec un nom, j'ai pas entendu boum, boum, boum. Juste pour voir, on peut regarder, hein, mais... Quête. Voilà, on a rien. Alors... La dernière fois que je suis dans une ferme, j'ai récupéré un shish kebab. J'étais content. Enfin, dans ce qu'ils appelaient une ferme. Mais c'est sympa ici, dis donc, ouais. Ouh, c'est la fête. Ok. J'aime. Par contre, vous réveillez pas, hein, il se passe rien. Il y a juste un inconnu qui rentre chez vous. Mais heureusement, il est très connu. Oh, mais dis donc. Ah, c'est les chiottes, ça, c'est sûr. Hein, vu le coin que... Bah merde. Bill. C'est dehors qu'il faut que j'aille, en fait. Ah oui, c'est dehors.
espace de... Bah, merde alors. Hop. Voilà, c'est ici. Ouvrons. Hop. Ok. Voilà. Oh, il en reste une autre, là. Il en manque. Crac. Bonjour, madame. Je me suis permis d'installer votre appareil. Votre électroménager. Je vais faire comme si j'avais pas vu l'image avec l'élan. Bonjour. Pardon. Excusez-moi de vous... Excusez-moi de vous réveiller, madame. Wouhou. Ouh. J'ai vu que vous travaillez à la station de pompage. J'aime pas le rouge à lèvres. Vous faites partie des Atomcats? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui. Miaou. 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 Ah. Je vais... D'accord. Penser, oui. Alors, est-ce que la pompe est réparée? La pompe? Pourquoi vous voulez faire marcher cette pompe? Oh, cette ferme est une ancienne station d'épuration. Miaou. J'ai remarqué à l'odeur. Si on arrive à faire fonctionner cette pompe, on pourra vidanger les canalisations, ce qui devrait nous débarrasser des odeurs. Ce que je peux comprendre. Un jour, ça permettra peut-être même de mieux faire tourner la ferme. Les Atomcats nous ont vraiment beaucoup aidés. Vous devez avoir faim. Tenez. Oh, mais elle est gentille en plus. Et remerciez Zeke de ma part. Pâté de fongeux. Oh, bah oui, du pâté. Oh, j'ai eu mon pâté. C'est la pâté du chat. Fais pas comme chez toi, putain. Cool. Oui, c'est le genre de choses qui arrivent. Alors que vous travaillez dans la... comme interne à la clinique, un patient vient voir avec une étrange infection sur son pied. Strumbles through the... Oui, voilà, passe le pas de la porte. L'infection semble s'élargir à une... Enfin, semble, oui, s'élargir à une vitesse alarmante. Mais le médecin est sorti pour quelque temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui coupez la jambe. Alors. C'est joli par là. Oh, la mouette! La mouette! La mouette! Fais gaffe! Je l'ai eu! Pas tirer sur n'importe quoi. Je tire pas sur n'importe quoi, je tire sur une mouette. J'ai le droit. C'est une mouette. Oh là, il y a un truc là-bas. Ah ah! S'il y avait un mec gentil, il n'est plus. Hein. Bon! Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dans votre lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement fait le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et bien sûr, commentez pour ce que vous voulez que je fasse au 100e épisode. Allez, salut les gens!